Quelque chose. Je suppose que vous savez pourquoi je vous ai réunis. Quelque chose d'affreux s'est produit. C'est l'un d'entre vous qui a fait le coup et vous allez tout de suite me dire qui c'est. Qui a fait ça? Regardez dans quel état ça la met. Regardez ma fille. Bon, personne se dénonce. Comment tu peux savoir que c'est l'un d'entre nous qui a fait quelque chose à Sam? Mais comment tu peux l'appeler Sam après ce que vous avez fait? Pardon? Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Je pense qu'on est assez proches maintenant pour que tu saches que j'ai absolument rien fait. Tu peux pas m'accuser moi, c'est pas possible. Et puis, t'as toujours pas répondu à ma question. Ça s'est passé hier. Au moment de la fête de mon anniversaire de retraite, vous étiez les seuls à être là. Personne n'est venu chez moi depuis. Et qui dit que c'est pas lui? Depuis tout à l'heure, il rôde autour de nous. Mais ça peut pas être moi. Je veux dire, je travaille pour Jacques, c'est mon patron. Il me fait confiance et en plus, je sais même pas de quoi on parle. C'est ça, ouais. J'ai vu Arthur fouiller dans les placards hier soir. Hop, on se calme là, hein. Moi, je partais juste chercher du vin et puis les filles, je t'ai vu toi hier. Non, c'est bon, arrêtez, c'était moi. J'ai ouvert le placard et je les ai vues. Elles étaient toutes pourries, du coup je les ai jetées à la poubelle. Puis Jacques, sérieusement, pourquoi tu gardes ces trucs si longtemps? C'est dégueulasse en plus. Tu les as jetées à la poubelle? Mais Armance, comment t'as pu faire une chose pareille? Je suis désolée. C'était que des madeleines.